Merci, merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bla dans la région de Ségou et partout au Mali. Elle est avec moi après un mois d'absence. Elle s'appelle Salmata Dao. Bonjour. Bonjour Burama Traoré. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité avec Salmata Dao, les titres. Le colonel Assimi Goïta a reçu ce matin en audience les ministres des pays de l'AES avec le chef de l'État. Les échanges ont porté sur la participation de ces pays à la journée panafricaine des femmes célébrée hier. Le cercle de Bla sous les eaux, les fortes pluies des 22 et 26 juillet dernier ont inondé la localité située dans la région de Ségou. Plus de 9000 personnes ont été touchées, une assistance est apportée par les autorités. Hors du Mali, la variole du singe fait ravage. La RDC enregistre plus de 12 000 cas et au moins 470 décès cette année. Le Kenya, la Centrafrique sont également touchés par la maladie. Il y a des personnes dans le monde qui n'ont aucune nationalité, ce sont des apatrides. Cette situation a de dures conséquences sur la vie des concernés. Garibou Perrou nous aide à mieux comprendre les phénomènes en fin d'édition. En sport, nous allons parler des play-offs du championnat national de basketball, première division de handball, dont le championnat national est également en cours. Et bien évidemment, des Jeux olympiques de Paris, ce sera avec Abdul Karim Kaba. Bonjour à tous. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin en audience les ministres des pays de l'AES, conduite par Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre en charge de la promotion de la femme. La délégation est venue rendre compte au chef de l'État des travaux de la journée panafricaine des femmes élargie cette année au pays de l'AES et à la Guinée. Oui, à l'issue de cette audience, le colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales de la République du Niger s'est confié à notre reporter Garibou Perrou. Nous l'écoutons. En marge des travaux rentrant dans le cadre de la commémoration de la journée panafricaine de la femme, nous sommes venus pour lui faire le compte-rendu de nos travaux, les travaux qui ont commencé depuis hier et qui vont continuer aujourd'hui. Nous sommes venus également pour lui transmettre les salutations de ses homologues de nos différents pays. À l'issue de cette audience, Son Excellence nous a donné des sages conseils dont nous avons pris note. Nous avons eu des assurances parce que, vous savez, à l'issue de ces travaux-là, il y aura une déclaration commune de nos différents pays par rapport aux différentes questions qui se posent à nous, surtout les questions à ce qui concerne l'éducation d'une manière globale dans le cadre de l'AES, mais aussi au-delà, à Guinée. Donc, nous avons des préoccupations communes. Donc, il y aura cette déclaration-là qui va être soumise à nous. Et nous avons reçu les assurances, en tout cas de Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, pour que ces déclarations-là soient examinées de près pour le grand bonheur de nos populations, pour que l'éducation soit une réalité, pour que l'éducation réponde à nos valeurs culturelles. Nous restons avec les ministres de l'AES et de la Guinée qui étaient donc réunis hier à la faveur de la journée panafricaine des femmes. Cette année, le thème national est des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. La cérémonie était présidée par le Premier ministre qui, dans le cadre de la lutte contre la désinformation, invite les Maliens, je cite, à déconstruire le narratif fait par les détracteurs du Mali. La synthèse de son intervention avec Mamari Koné. C'est à renseigner que les femmes du Mali et leurs sœurs de la Confédération des États du Sahel et d'Afrique ont célébré la panafricaine des femmes. La présence des ministres en charge de la promotion de la femme du Burkina Faso, du Niger et la Guinée-Conakry est perçue comme un signe de solidarité et saluée par le gouvernement malien. D'entrée de jeu, le Premier ministre a remercié les partenaires au développement qui ont décidé, malgré un contexte mondial difficile, d'accompagner les efforts multisectoriels des États qui se battent au quotidien
contre le terrorisme, l'insécurité et les effets des changements climatiques. Les avancées constatées aujourd'hui au niveau de l'école malienne, poursuit le chef du gouvernement, en termes de mesures institutionnelles, juridiques et politiques, sont imputables aux efforts conjugués des femmes et des hommes du secteur de l'éducation. En abordant les sujets d'actualité, le Premier ministre a fustigé les campagnes de désinformation et d'intoxication contre notre pays et la Confédération de l'AES depuis la prise en main de leur destin. Nous devions nous engager contre l'intoxication, contre nos forces de défense et de sécurité. Nous devrions à chaque instant rester vigilants et continuer à déconstruire le narratif qui consiste à dire que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge. Les quelques images de propagande que nous voyons sont destinées à nous démoraliser. Ils ne réussiront pas, ils ne connaissent pas les Maliens. Dr Choguel Koukalamanga est convaincu que la bataille contre le terrorisme sera gagnée avec l'appui de tous les Maliens et des partenaires sincères. Il a également lancé un avertissement à tous ceux qui soutiennent les terroristes. Nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Tinzawaten, nous allons gagner le combat. Tinzawaten sera malien. À nos soldats, soyez fiers. Faites attention. On est en train de nous manipuler tous. L'armée va au-dessus des gouvernements. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il aura besoin d'une armée forte. Le Premier ministre a enfin salué le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui, à travers le gouvernement, facilite, accompagne et crée les conditions pour l'émergence de l'excellence. Je l'annonçais dans le sommaire, le ciel a ouvert toutes ses vannes les 22 et 26 juillet dernier sur le cercle de Blard dans la région de Ségou. Conséquence, plus de 9000 personnes ont été touchées par les inondations. Face à cette catastrophe naturelle, les autorités nationales apportent une assistance aux ménages sinistrés. Bourama. Oui, c'est le Matandao. Et le gouvernement décide d'étendre son appui à la population de Blas sur 3 mois. Honoré Tienou, de notre bureau régional à Ségou, fait partie de la délégation nationale qui s'est rendue sur place. Il nous parle d'abord du triste bilan. 9731 personnes sinistrées, 1930 habitats détruits, 917 animaux emportés, des magasins d'intrants agricoles et de céréales écroulés, aussi des services publics touchés. Voilà pour l'instant le triste bilan des inondations qui ont lieu à Bla. Elles font suite aux 207 mm de pluie enregistrés dans la zone le lundi 22 juillet et vendredi 26 juillet dernier. Aboubakar Sidiki Fomba, président de la commission santé et affaires sociales au CNT. Cela démontre l'importance que le président accorde à la résilience du peuple malien face à la situation que nous vivions. Donc vraiment c'est le lieu de remercier tout le monde et de dire à la population malienne de faire en sorte que nous puissions éviter ces genres de situations qui sont quand même des calamités naturelles, mais aussi de prendre l'ensemble des dispositions pour éviter et dire aussi à l'ensemble des maires de prendre des précautions. Le gouvernement va faire en sorte que ces dons, ce serait 3 mois et il y aura aussi des cash. Les autorités ont apporté une assistance alimentaire avec des kits d'hygiène. Bref, tout ce qu'il faut pour la subsistance d'un ménage sinistré. Yacouba Konaté, porte-parole des personnes sinistrées. Le fait de venir nous voir en ce moment difficile nous comble déjà. Nous en remercions énormément. Cette donation s'ajoute à celle déjà mobilisée au niveau de la région depuis le début des inondations. Brema Dougouré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou. La Chambre de commerce et d'industrie de Ségou a intervenu avec 1 million de francs CFA, plus la contribution de l'entreprise DPA avec 500 000 francs CFA. Nous prions pour un lendemain meilleur. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Notre cri de cœur a été entendu. Les autorités ont répondu de la plus belle manière. Sans oublier aussi les partenaires qui ont été fortement mobilisés et qui ont apporté tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc franchement, je suis un gouverneur comblé aujourd'hui. Les services sociaux sont à pied d'œuvre pour y recenser d'autres victimes de ces inondations. Ségou, Honoré Tienou et Bassi Traoré pour l'ORTM. D'une assistance humanitaire à une autre, les forces armées maliennes remettent une quantité importante de vivres aux habitants des villages d'Acharan 1 et 2, des localités situées à une trentaine de kilomètres de la ville de Tombouctou. Ce don est associé à des consultations médicales gratuites pour soulager les populations. Retour sur ces activités civilo-militaires avec notre correspondant dans la région, Idrissa Goulou Sissoko.
Les forces de défense et de sécurité de la région de Tombouctou volent au secours des populations d'Acharan 1 et 2 en leur apportant assistance médicale et vivres. Mahamoud Ag Mohamed, porte-parole des chefs de village Acharan 1 et 2. Les deux Acharan vous remercient de votre présence pour leur soutien en santé et en nutrition aussi. Ils vous remercient beaucoup et ils vous souhaitent une présence chaque fois pour leurs besoins. C'est plus de 200 patients qui ont été consultés avec dons gratuits de médicaments selon le cas des pathologies. Colonel Michel Sangaré, directeur régional du service des santé des armées de la 5e région militaire Tombouctou. Nous venons de sauver une dame in extremis qui avait accouché hier, une patiente non suivie, voilà, qui se présente dans un tableau d'hyperthermie avec plus de 40 degrés, dont le diagnostic de paludisme grave et d'endométrite a été retenu. Et les pathologies les plus rencontrées ont été quelques cas de paludisme, puisque nous sommes à la saison pluvieuse, et des cas aussi de rhinobronchite, des cas de gastro-entérite et de gastrite. Les actions civilo-militaires permettent de rétablir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. La sécurisation et le maintien de la confiance restent au cœur des actions de nos forces de défense et de sécurité. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Kloubali pour l'ORTM. Du Mali. En Guinée, verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009. Moussa Dadis Camara, président de la transition à l'époque, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité. 8 des 12 accusés ont été condamnés à des peines allant de 10 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Le tribunal a aussi annoncé des réparations pour les victimes allant de 14 millions à 110 millions de francs CFA. Les Nigériens manifestent ce jeudi contre les difficultés économiques croissantes, une situation qui inquiète les autorités. Elles craignent que les manifestations meurtrières de 2020 contre la brutalité policière ne se répètent. Mardi, les médias locaux ont rapporté que les organisateurs des manifestations avaient rejeté une proposition de la police nigériane de tenir les rassemblements dans les espaces confinés facilement contrôlables par les forces de sécurité. En République démocratique du Congo, un nouveau cessez-le-feu entre en vigueur à partir du dimanche 4 août. C'est ce qu'a annoncé la présidence angolaise mardi après une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC à Luanda. Il s'agit de la deuxième réunion ministérielle organisée dans le cadre du processus de Luanda. L'application de ce cessez-le-feu sera suivie par un mécanisme ad hoc qui existe déjà mais qui sera renforcé. Une victoire diplomatique et un tournant historique, c'est ainsi que les autorités centrafricaines ont réagi à la levée mardi de l'embargo sur les armes à destination du pays, une décision prise à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'embargo sur les armes à destination de Bangui avait été imposé en 2013 dans un contexte de guerre civile. Depuis, le président Faustin Archange Touadéra considérait cette mesure comme un affront et une injustice. Toutefois, le Conseil de sécurité interdit la vente d'armes jusqu'au 31 juillet 2025 aux groupes armés actifs dans le pays. Le Kenya et la République centrafricaine ont déclaré de nouveaux foyers de variole du singe. Nairobi a annoncé hier l'apparition d'un nouveau foyer après la détection d'un cas chez un passager à un poste frontière dans le sud du Kenya voyageant de Luanda au Rwanda. La République centrafricaine a été la première à déclarer un nouveau foyer lundi, indiquant qu'il s'étendait à Bangui, la capitale. Mais les pays les plus touchés sur le continent est la RDC, qui a enregistré plus de 12 000 cas et au moins 470 décès cette année. Les relations diplomatiques entre Kigali et Bruxelles continuent de s'envenimer. La Belgique décide de retirer sa demande d'agrément au Rwanda pour la nomination des nouvel ambassadeur belge à Kigali. 6 mois après avoir envoyé une première demande, la Belgique a lancé un ultimatum à Kigali en juin dernier, laissant 24 heures aux autorités rwandaises pour se prononcer sur l'accréditation des nouvel ambassadeurs, sans quoi leur licence serait considérée comme un refus. C'est désormais chose faite, cette ultime demande étant restée sans réaction ni explication. Nous avons communiqué au Rwanda le retrait de notre demande d'agrément, a affirmé le service public fédéral belge des affaires étrangères.
Au Soudan, le chef de l'armée et du conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, a échappé hier à une tentative d'assassinat à l'est du Soudan. Selon un communiqué de l'armée, des drones ont mené une attaque sur la base militaire de Jibet dans l'est de Mer Rouge, où se trouvait le général al-Burhan pour une cérémonie de remise de diplôme. L'armée avance un bilan de 5 morts et plusieurs blessés, mais le général al-Burhan a survécu. Il est réapparu un peu plus tard pour affirmer, je cite, « les drones ne font pas peur à l'armée ». Le président malgache André Rajoelina était en visite en Guinée-Bissau et en Angola. Avec ses homologues de ces pays, il a affirmé un tournant diplomatique au profit de partenaires africains amorcé dès son premier mandat et son attachement au panafricanisme. En Iran, les funérailles officielles du chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, ont débuté tôt ce jeudi dans les centres de la capitale. Il a été tué à Téhéran dans une frappe imputée à Israël. Mais pour l'heure, pas de revendications ni d'informations supplémentaires sur le commanditaire et sur les détails de cette frappe. Et pour boucler cette page inter au Venezuela, le chef de la diplomatie américaine pour l'Amérique latine, Brian Nicole, a déclaré hier que le candidat de l'opposition Edmundo González avait clairement battu le président sortant Nicolas Maduro lors d'un discours devant l'Organisation des États américains. Ce sous-secrétaire d'État américain a ajouté que l'écart se comptait en même un million de voix et pouvait une victoire irréfutable, validant des décomptes relayés par des organisations de la société civile et de l'opposition. Retour ici au Mali pour parler de l'Agence nationale de l'aviation civile qui fait le bilan de ses activités. L'agence a réalisé en 2023 une recette de plus de 2 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de plus de 7 milliards de francs CFA. Oui, ces chiffres ont été révélés hier à la faveur de la 35e session du conseil d'administration de l'ANAC. Les administrateurs notent avec satisfaction le renforcement des mesures sécuritaires qui dépassent la moyenne mondiale. Sidou Traoré était présent pour Mali Actualité. À l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, les administrateurs tiennent la 35e session sous de meilleurs auspices en termes d'émissions et de recouvrement. La direction générale de l'agence a réparti les programmes des activités réalisées en trois chapitres qui enregistrent des résultats encourageants. Colonel Yaya Traoré, directeur général de l'ANAC. D'abord, le volet programme sur la supervision de la sûreté et de la sécurité. À ce niveau, il y a 19 activités qui ont été programmées. 5 sont déjà exécutées, 13 sont en cours d'exécution et la dernière, malheureusement, n'a pas encore connu de début d'exécution. Le deuxième point, ça concerne le programme d'investissement. À ce niveau, il y a 36 activités programmées. Et toutes les 36 sont en cours d'exécution, avec cependant des taux d'exécution plus ou moins faibles parce que le budget a été approuvé avec un peu de retard. Le troisième point, c'est sur la gestion du personnel. Le programme concerne particulièrement le renforcement des capacités des agents. Sur une prévision de 7 340 millions de francs CFA, l'Agence nationale de l'aviation civile a réalisé une émission de recettes de plus de 2 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 35% du 1er janvier au 30 juin 2024. Touré Assitansima, présidente du conseil d'administration de l'ANAC. Dans le domaine du renforcement des mesures de sécurité, le résultat final de l'audit actualisé de l'OACI de 2022 a crédité notre pays de 73,39%. Ce taux de conformité du Mali dépasse nettement la moyenne mondiale qui est de 69,05% et classe notre pays dans le peloton de tête des États membres de la région OACI de l'Afrique occidentale et centrale et les États de la région Afrique et Océan Indien. Ce résultat est le fruit des efforts consentis par l'autorité de l'aviation civile, mais aussi par les autres acteurs du secteur aéronautique. À l'ouverture des travaux, la présidente du conseil d'administration a rappelé les administrateurs de l'état d'exécution du budget au 31 décembre 2023 qui enregistre un taux d'exécution de plus de 100% en recettes et de 97% de recouvrement, sans oublier les dépenses qui représentent un taux d'exécution de 88%. Autre chiffre dans cette édition, plus de 86% sur les niveaux d'exécution du plan de travail annuel 2023 de l'Agence nationale pour l'emploi. Oui, la révélation est faite au cours d'une double session de l'ANPE, les 29e et 48e, avec un fait majeur, la désignation des nouveaux présidents du conseil d'administration de l'agence, n'est-ce pas Baraka Sawattara?
Papa Mbodjo Touré est le nouveau président du conseil d'administration de l'ANPI. Il a été élu à l'issue de la 29e session extraordinaire du conseil d'administration de l'agence. Il s'agit là de la phase triennale du patronat. Quant à la 48e session ordinaire, il ressort des résultats satisfaisants. Au titre de 2023, l'agence a réussi à exécuter plus de 86% de son plan de travail annuel. Ibrahim Agnok, directeur général de l'ANPI. Dans le domaine de l'intermédiation, notamment au niveau des placements salariés, c'est-à-dire la mise en relation des offres et des demandes d'emploi, sur une prévision de 2000, nous avons fait 1124 placements, soit un taux d'exécution de 56% sur l'exercice 2023 clos au 31 décembre. Si vous prenez aussi le domaine de l'auto-emploi, donc promotion d'auto-emploi, tout ce qui concerne les activités génératrices de revenus, les PME, PMI accompagnées, les activités ici, sur une prévision de 3500, nous avons fait 1916 auto-emplois créés, soit un taux d'exécution de 54%. Toutes les activités sont liées à la promotion de l'auto-emploi, à l'intermédiation, à l'emploi rural, à l'emploi féminin et aux diverses actions en faveur des personnes en situation de handicap. Et c'est là, conformément aux missions assignées à l'ANPE à travers ces textes législatifs. Issa Bengali, deuxième vice-président du conseil d'administration. Il est important de souligner que les activités exécutées sont en corrélation avec le plan stratégique de développement Vision 2021-2025 qui prend en compte l'ensemble des usagers clients de toutes les couches sociales en quête d'emploi à travers les différents axes programmatiques. L'ANPE prévoit la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi afin d'améliorer l'écosystème entrepreneurial et l'accompagnement en tout ce qui concerne la promotion du secteur privé. Il est 13h21 à Doussoudjana dans le cercle de Yanfolila. En basketball, les play-offs du championnat national de première division débutent cet après-midi. Autre championnat national au menu de la page sport, Bourama, c'est celui de handball. Et tout à fait, les tableaux des demi-finales en dames et en hommes de la compétition est désormais connu. Abdul Karim Kaba nous amène d'abord à Paris pour les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques Paris 2024, football, deux équipes africaines figurent sur le tableau des quarts de finale. En dominant l'Espagne, 2-1, l'Égypte se qualifie pour les quarts de finale. Ça passe également pour le Maroc. Le Hurem Chérifien a battu l'Irak par 3-0. Toujours les nouvelles des JO avec les Maliens en natation ce samedi 3 août. On aura Aïssata Diabaté sur les 50 mètres nage libre aux environs de 9h. En athlétisme, Fode Sissoko sera au rendez-vous pour les 100 mètres hommes. En taekwondo, Ismaël Koulibaly, dans la catégorie des moins de 80 kg, fera son entrée en matière le vendredi 9 août prochain. Sur le plan local, handball, championnat national, le tableau des demi-finales en dames et en hommes est connu. En dames, l'USFA se jouera contre le centre omnisport de Lafiabougou. L'AS Police sera opposé à l'AS Sigui de Kaye. Chez les hommes, l'USFA sera aux prises avec le Mamara de Kati. Les demi-finales se joueront cet après-midi au lycée sportif Benou Marcy. En basketball, les play-offs du championnat national de première division démarrent cet après-midi. En dames, à 16h, le Stade Malien de Bamako affronte le Djoliba AC. À 18h, le Stade Malien de Bamako et l'AS Police seront aux prises sur les messieurs. La deuxième journée se jouera demain vendredi. Notons que l'équipe qui totalisera 3 victoires en 5 journées sera sacrée championne du Mali saison 2023-2024. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le gardien de but à handball. À handball, le gardien de but est le seul joueur qui a le droit d'évoluer et de toucher la balle dans sa propre zone. Son rôle est d'empêcher les tirs de l'équipe adverse de rentrer dans son but. Les joueurs de son équipe n'ont pas le droit de lui faire la passe s'il est dans la zone, mais en dehors, oui. Exactement, nous s'intéresse aujourd'hui au gardien de but à handball. Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de dimension de 40 mètres sur 20, séparé en deux camps. Le règlement officiel impose qu'un but de handball mesure 2 mètres de hauteur et 3 mètres de large. Une cage gardée par un gardien. Amadou Maïka, entraîneur de handball, nous en parle. C'est un solitaire qui se trouve sur une surface appelée zone de 6 mètres. Seul le gardien a le droit d'y évoluer. Il est dans sa zone,
pour défendre toutes les parties du corps peuvent être utilisées. Au handball, le gardien peut être autorisé à sortir de sa zone, mais dans ce cas, soumis à des exigences. Il peut sortir de sa surface et participer au jeu. En ce moment, il est soumis aux mêmes règles que les joueurs de champ. Étant hors de sa zone, il ne peut y retourner en contrôlant le ballon. Aussi, s'il sort de sa zone et touche un adversaire, que ce soit volontaire ou involontaire, le gardien est expulsé avec en prime un jet de 7 mètres, communément appelé pénalty. Le gardien de handball a aussi les privilèges, je vous explique Amadou Maïga. Le gardien seul peut sortir le ballon sur la ligne de but et est engagé dans ses 6 mètres. Mais quand il le sort des lignes de touche, la balle sera engagée par l'adversaire. Lors des jets de 7 mètres, il peut avancer jusqu'à la ligne de 4 mètres. Au handball, le but du jeu est de faire entrer le ballon dans la cage opposée plus de fois que son adversaire. Et le rôle du gardien est dans le cachet. Chronique judiciaire. Être apatride, combien c'est dur. Du désespoir à l'exposition à des formes extrêmes d'exploitation et d'abus, la liste n'est pas exhaustive. Les phénomènes portent atteinte au droit sacré à une nationalité, Salimata Daou. Et oui, malheureusement, Bouraman, selon l'article 1er de la Convention relative au statut des apatrides, qui date de 1954, le terme désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. En rediffusion, Garibou Perrot nous aide à mieux comprendre le phénomène et ses conséquences. Sans papier, l'apatride n'a pas de nationalité. Puisqu'il n'a pas de nationalité, il ne peut en aucun cas avoir un document administratif. Sans lien juridique avec un État, l'apatride perd malheureusement les droits fondamentaux dans beaucoup de pays. Manto Nyangadouri, administrateur principal de protection HR Mali. Le Mali est un exemple concret. Aujourd'hui, sur le territoire malien, nous avons environ 15 000 personnes venues de la Mauritanie et qui sont là depuis plus de 30 ans, je dirais. Et qui, pour le moment et jusqu'à aujourd'hui, la Mauritanie ne reconnaît pas comme citoyen mauritanien. L'État a accepté que pour ceux qui veulent obtenir la nationalité malienne, on les a permis. Le Mali a ouvert sa porte. Et c'est le moment de dire merci au ministère de la Justice qui travaille avec nous dans ce cadre. Les conséquences de l'apatridie sont lourdes, complexes et profondes, tant au niveau social, économique, politique et culturel. L'apatride perd les droits, par exemple, d'aller à l'école, d'avoir les soins de santé, d'exercer un emploi, d'ouvrir un compte en banque, d'acheter une maison ou même de sceller une union conjugale. L'apatridie impacte au quotidien et de manière considérable la vie des personnes concernées. Le fait de ne pas être sous la protection d'un État, tu es déjà exposé. Parce que tout citoyen est d'abord et avant tout sous la protection de son État, même si tu es réfugié, c'est qu'il y a un cadre qui t'encadre en attendant que tu retournes dans ton pays. Quand tu voyages, tu es dans un pays, tu as tes ambassades, tu as tes consuls, mais tu es sous la protection de ton État, même en te déplaçant. Mais une personne qui n'a pas d'attache nationale, ça veut dire que tu comprends l'exploitation, tu comprends les conséquences des actes qui affectent la personne. C'est question de droit civique, droit civil, droits politiques, droits économiques, même culturels, en quelque sorte, sont en danger pour toi. Le phénomène ne touche pas que les migrants ou les réfugiés, il touche aussi les gens nés sur place. Il est important de créer les conditions pour que les apatrides ou les personnes à risque d'apatridie puissent accéder effectivement à une nationalité ou à une protection à laquelle elles ont droit, selon les termes de la Convention. Il faut remercier totalement le gouvernement ou l'État malien qui a pris des dispositions sur le plan international, pour prévenir et éradiquer cette question. Bien sûr que ça va en progression. Et si ces lois et les documents également qui vont mettre en place cette institution sont tous accordés, je pense que le Mali sera l'un des premiers pays à instituer officiellement dans sa législation ce phénomène, ce programme d'éradication et de prévention de l'apatridie. Chacun a droit à une nationalité. Malheureusement, l'apatride, lui, demeure jusqu'ici un intrus. La lutte contre l'apatridie est donc une action commune. Non éradiquer l'apatridie reste un malheur qui se transmet de génération en génération. Merci Garibou Perrot et ses numéros de la chronique judiciaire. Mais un terme à cette deuxième édition du Mali Actualité. Aux manettes, Bintou Traoré, à la mise en ligne, Marcel Tesougué. Merci à Ousmane Daou qui nous ont aidés à la préparer. C'était au micro, Salimata Daou.
Et Bouraman Traoré, restez connectés. Tout à l'heure, Kanikita s'installe pour les avis et communiqués. Merci à tous et bonne suite de programme sur Radio Mali.